le jour de nos 10 ans de mariage. Il comptait l'offrir pour fêter l'événement. Mais moi, je n'avais rien demandé, mais il l'avait décidé. Il voulait toujours me faire des surprises. Et puis, il a changé d'avis. Au dîner, il a mis une rose dans mon verre et une petite boîte sous ma serviette. Vous savez, comme dans les publicités à la télé. Quand j'ai soulevé ma serviette et que j'ai vu la petite boîte, mais j'étais sûre qu'il y avait une bague à l'intérieur. Donc, Annabelle et Zina, ce sont deux femmes qui se sont connues 6 ans auparavant, malgré elles, par un accident de voiture que Zina a provoqué et a tué le mari et le fils de Zina, d'Annabelle, pardon. Et pour le coup, Annabelle force un rendez-vous pour essayer de s'expliquer avec cette femme qui s'appelle Zina. Et tout au long de la pièce, ça se déroule en plusieurs mois, c'est-à-dire qu'elle se rencontre à chaque fois dans l'appartement du mari d'Annabelle et elle parle d'elles deux, de leur vie, de ce qu'elles ont vécu. Bien cadré, avec gros plans sur l'étiquette dorée. Travelling avant sur nos visages épanouis, inondés de bonheur. Mouvement circulaire sur nos lèvres qui s'embrassent avec une fougue spontanée. Du genre, moteur, ça tourne. Il souriait toujours. Et moi, mes mains tremblaient sur la petite boîte avec son étiquette dorée en provenance du... Les joueurs. Tenez, prenez, elle est à vous. J'en ai 10 comme ça. Ah oui, chaque année, le jour fatidique, j'avais toujours une petite boîte sous ma serviette pliée devant le verre. Avec une rose dedans, une rose rouge. Rouge sang, bien sûr. Nous, Sophie faisait partie d'une troupe, moi je faisais partie d'une autre troupe. Les deux troupes ont cessé de vivre pour plusieurs raisons. Et moi je suis allée dans sa troupe pendant 1 an. Et nous avons formé une assoc avec Sophie et Stéphane, qui est un ancien aussi avec qui je faisais du théâtre pendant des années. Et on a formé donc cette troupe des Planches du Lac, à savoir que Sophie connaissait le président du Lac en fête de Courcouronnes, qui font des spectacles son et lumière. Et on voulait rajouter une section théâtre. Voilà. En 1812, le général Éblé assura le passage de la Pérésina à la Grande Armée en retraite. Et alors ? Bérésina, Annabelle et Zina. Étrange, non? C'est complètement idiot. Vous trouvez? Vous ne trouvez pas? L'alphabet a une importance considérable dans ma vie. À 12 ans, je voulais aimer quelqu'un. Qui ça? Qu'importe. Quelqu'un qui me dirait je t'aime. Et de préférence en public, dans la cour de récréation. Vous étiez précoce. Oh, j'avais des angoisses très avancées pour mon âge. Je pensais que Dieu, s'il existait, n'aurait aucune raison de s'intéresser à moi. Il y avait des filles beaucoup plus jolies dans ma classe. Vous l'avez trouvé, Dieu? Non, le quelqu'un. Bien sûr. Je t'aime. Sujet, verbe, complément. C'est facile à digérer. Et les garçons aussi ont besoin de se rassurer. Moi, je m'appelle Claudine Chétard. Je fais du théâtre depuis 20 ans, si c'est pas plus. Et bon, on est dingues toutes les deux de théâtre. On peut pas s'en passer. C'est comme ça. Et moi, je m'appelle Sophie Libiot, je fais du théâtre depuis 16 ans et à défaut d'en faire en professionnel, j'en fais en amateur. Bertin, la police s'est cassée une jambe au sport d'hiver. Vous avez vu la tête de son plâtre? Le médecin était interne en psychiatrie et homosexuel, je crois. C'est curieux, je n'ai jamais aimé la neige. Là, c'est Bernard dans son bureau. C'est moi qui l'ai aménagé. Mon mari n'a jamais eu le goût de la décoration. La décoration, c'était comme s'il ne la voyait pas. Les petits changements qui s'opéraient autour de lui, il ne les remarquait jamais. Super. Ouais. Nous avons été admirablement bien accueillis, managés, entourés. Vraiment, c'était extra. Et en plus, ce qu'il y a de génial, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation, pendant ce temps, il y a la partie théâtre où on installe les décors, on installe tout. Pendant ce temps-là, il y a un concert dehors. Enfin, voilà. Moi, je trouve que ça se déroule super bien. Ouais. Et en plus, il fait beau.